ça a commencé à s'allumer. On a essayé de l'éteindre, sincèrement, là. Ouais. Personne ne le sait. Okay. Même les enquêteurs sont venus ici, même un ingénieur. Okay. On est le 20 janvier, il fait tellement froid, ma caméra a gelé. Hey, c'est incroyable, man. Oh, il fait frais. Oh. Bonne année tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alexandre Lagagnère. Dans la vie, je suis un rassembleur parce que c'est ce que je fais dans ma vie personnelle et ma vie professionnelle. J'ai mon entreprise qui s'appelle Les Rassembleurs, qui est la production d'événements. Je fais la production de contenu vidéo, puis j'ai ce vlog-là que j'appelle le vlog. Et là, il faut dire que depuis le dernier vlog, ça a brassé pas mal. On est rendu avec notre premier bureau, les rassembleurs. Je vais faire visiter ça, je vais vous raconter ça. Merci au gars au Costco qui m'a. Je me sais plus ton nom, mais qui m'a accroché. Il dit, hey man, je check toutes tes vlogs, c'est hot. Je suis comme, hey, merci beaucoup. Et juste avant de continuer, j'en profite pour vous dire que le 3 février, ce dimanche, j'organise le party Super Bowl. Au bar sportif Laurier. Ben de l'ambiance, la bière pas chère, le restaurant Mange-moi va agir comme traiteur, fait que je vais mettre des plateaux de bouffe de poutine, de burger, d'ailes, d'oignons, tout le monde se sert. Grosse ambiance, achetez vos billets. Je vous invite personnellement à cet événement-là, les billets sont en ligne, je vais les mettre en commentaire de cette vidéo-là. Mais je commence ce vlog-là de l'année 2019, c'est personnel comme sujet. Le 4 janvier dernier, le restaurant portugais Ma Poule Mouillée, qui fait pour moi le meilleur poulet à Montréal. Peut-être même le meilleur poulet, toute catégorie confondue. C'est tout le temps plein en plus. Comment, c'est quoi ton statut? Propriétaire. Propriétaire? Ouais. Fils du grand chef qui connaît la sauce. Ah ouais? Je connais aussi la sauce, là. Ouais, vous êtes deux quand même de la sauce, hein? Mais tu réponds-tu? Ou tu... Non, j'ai visité une boîte vocale. Ok, parce que vous êtes fermé. Ouais. Si tu veux, tu peux aller voir. En haut? En gros, l'histoire, c'est que je revenais d'un souper chez ma maman. Je passe à côté du parc La Fontaine, puis là, je vois plein de camions de pompiers devant la banquise, qui est aussi une institution, un restaurant de poutine à Montréal. Je t'achète ma voiture dans une ruelle, puis je vais voir, puis je vois, oh mon Dieu, c'est la Poule Mouillée, il y a des pompiers partout. Et là, j'arrive près du cordon de sécurité. Là, je vois Mike, son père, toute l'équipe qui était là, puis il y avait un immense incendie. Et là, voyez-vous, des gens qui viennent, puis qui disent, oh, ça va être ça. Beaucoup de monde qui vient. Ah ouais. Hein? Mais là, update, là, qu'est-ce qui s'est passé le 4 janvier? Sincèrement, là. Ouais. Personne ne le sait. Okay. Même les enquêteurs sont venus ici, même un ingénieur. OK. Puis ils se posent tout de la question. C'est pour ça que ça. Mais qu'est-ce que vous savez? C'est qu'il y a quelque chose qui a pris dans la cheminée? Ouais, c'est dans la cheminée. Tout a commencé d'ici, là. OK. Avec le charbon, dans la grille. Tu sais, ça a commencé à s'allumer. Ça a dû se monter d'un coup. Toute la grille est partie en feu. Oh, wow. C'est ça qu'on comprend pas non plus. Là. Puis pour vrai, voir tout le monde qui était là, dehors, au froid, c'était vraiment... c'était pas cool, c'était vraiment... Fait que là, j'en ai... J'avais ça sur mon dos, puis j'avais dit, guys, prenez-le, puis Michael, je vais repasser le prendre à un moment donné. Fait qu'il y a eu... Mais le système a bien fonctionné? Ouais, le système a bien fonctionné, le gicleur, là. OK. Caché ici derrière. Ouais. Ça a pris 3 secondes, puis le feu était éteint ici. Ah ouais? Ouais. Le problème, c'était en haut, après, dans la cheminée. C'est juste quand on est sorti dehors, là, les policiers ont dit « tout le monde dort », puis quand on est sorti dehors, c'est là qu'on a vu le feu, on était comme... Le feu était dans la cheminée en haut. Qu'est-ce que le monde peut faire pour vous aider? Revenir. Client fidèle. Ouais, tous les messages qu'on voyait sur Facebook, ça m'a touché au cœur. C'est la différence. Puis, en fait, la raison pourquoi je suis ici, la vraie raison, c'est que je viens juste récupérer un manteau. Tire le charbon de bois, puis le poulet. Peut-être. Crime, 600 poules mouillées, je vais être content. Mmh. Tout petit, là, c'était genre une. Vous servez combien de poulets dans une grosse journée d'été? Mais combien de clients, mettons, vous pouvez servir? Minimum 500 à 800. Ton père, Tony, me a fait visiter le sous-sol, puis il nous a montré des barils de sauce, puis il m'a dit il y a juste moi et mon fils qui connaissent le secret de cette sauce-là. Il n'y a aucun employé qui se connaît à la réponse à ça. Personne. Même quand je suis en bas, c'est ça, en train de faire la sauce. Ouais. C'est toi des employés qui arrivent en bas pour changer, là. Ouais. J'arrête tout.
fais comme ça, ça va, je parle avec eux, puis tu sais, je montre pas qu'est-ce que je mets dedans. Et ça, c'est écœurant. Si vous voulez me supporter ou encourager le projet du vlog, likez, on clique sur j'aime, on partage, puis c'est ça, on peut s'abonner à ma chaîne YouTube ou à ma page Facebook. Là.